Et salut à toutes et à tous, c'est Ocrad. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Singularity. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va plutôt bien. Donc on s'était quitté juste là la dernière fois. Ça venait de sauvegarder, mais bon là j'ai décidé de continuer en fait juste après. Donc je tourne à la suite. Tiens, on va aller voir ce qu'il y a en bas. Ça m'intrigue. Ah, j'ai bien fait, dis donc. J'ai même vraiment bien fait. Voilà, donc on continue. On suit toujours Barizov. Bonjour, ça va Barizov? Nickel. C'est ici que nos chemins se séparent. Ne vous en faites pas. Je vais me réfugier dans cette tour. Et soyez sûr qu'on se reverra. Utilisez le MT pour activer cette faille, elle vous ramènera à votre époque. Ouais! Pour revenir en 2010, on est en 2018, c'est pas mon époque. Bonne chance à nous deux. Nickel, on y va. Capitaine Renko, j'ai du mal à y croire. J'ai attendu plus de 50 ans pour vous revoir, mais pour vous, c'était il y a quelques secondes, non? Vous vous souvenez de la tour dont je vous avais parlé? J'y suis retourné. C'était l'endroit le plus logique. Venez vite, nous devons parler. Et ouvrez l'œil. J'ai envoyé quelqu'un à votre rencontre. Nickel. Rejoignez la tour du prof Barizov. Alors attendez, hop. Les plans et formules permettent à Barizov de créer de nouvelles améliorations. Quand vous trouvez un plan ou une formule, l'amélioration sera disponible automatiquement dans un augmenteur. Ouais. Vous avez découvert coup de fouet, augmente votre santé maximum. Utilisez une techno à E99 pour acquérir des améliorations dans n'importe quel augmenteur. Cool. C'est ça un augmenteur? Ah ouais. Le professeur Barizov peut utiliser la technologie E99 que vous trouvez pour créer des améliorations pour le MT. Ok. Bon, on va regarder ça, hein. Après l'avoir acheté, équipez-le pour obtenir ses effets. Cool, cool. Tireur d'élite. Augmente la précision des armes. Oui, oui. Augmente le dégât de la... Ouais. Attribut de héros. Moi, c'est ça qui m'intéresse, principalement. J'ai 4800. Donc, on est pas mal. On est pas mal du tout. Je pense qu'on va augmenter la précision des armes. Tac. Et on va augmenter... ici. Voilà. Augmente votre santé maximum. Je pense qu'on en aura bien besoin. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, nickel. C'est bien foutu, cette connerie, hein. Quand même aller par là. Ah bah ouais, parce qu'à tous les coups... Yeah. Hihihi. Ah ouais, mais je suis au max. Ah, c'est dommage. Ça aurait pu être intéressant, il y avait deux trousses quand même. Mais bon, on n'en aura pas besoin. Mais ici, il y a quelque chose. Mitchev, machin... Ok. Bon, c'est bien, on a quand même bien fait de redescendre. Dans l'absolu. Bon, il y avait une trousse là aussi. Dis donc... Ah! Un film d'archives! C'est parti pour une petite archive dès le début de l'épisode. Ocrad Studio present. Ceci est le premier test enregistré de traversée d'une faille par un être humain. Je vais enregistrer mes observations tout en traversant. Je pense ressortir à la faille 6 qui semble reliée à celle-ci et qui est apparue près des docks. Je pénètre dedans à présent. Je ressens des picotements même à travers la combinaison. Je ne perçois visuellement rien qui sorte de l'ordinaire. Et comme vous le voyez, il n'y a absolument rien de... Arrêtez tout! Bon, c'est pas super rassurant. On va peut-être pas les utiliser tout de suite, ces machins. Du coup, qu'est-ce que c'est censé faire? Il y a quelque chose qui cloche avec mon bec benzène. Il ne fonctionne pas, même quand j'ouvre la valve au maximum. Est-ce que vous pouvez y jeter un œil? Ouais, bah alors. Il y a quoi qui cloche?
Bah, il vole, Beck Benzen. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ouais. Je vois pas trop, là. Ok. C'est pas ici. Non. C'est en bas, en fait. Ah ouais, c'était là. Mais quel abruti. J'ai des balles, là. Ouais, je vais recharger le centurion. 8 mai 53, nous avons testé à nouveau le module d'antigravité et ça a encore échoué. Cette fois-ci, l'objet de test a traversé le sol en béton armé. Yvan a failli être broyé, mais malheureusement, il s'en est tiré. Je ne l'aime pas. Ok. Ah, il y a des technos. Ramasse, hein. Évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Amélioration. Cool! Ok. Donc ça m'installe une petite amélioration sur mon module. APEC. Alors, soulever, appuyez sur E pour prendre des objets. Yeah! Oh, c'est bon ça. Ouais, par contre, il veut pas venir. Ah si, ça y est. Nickel. Ok, je vais rétablir la caisse de munitions, parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Vu les cris que j'entends, ouais. Nickel. Bon, on va y aller cool. Parce que, ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose ici. What? Ouais, ça sent pas bon. Je veux pas être pessimiste, mais... Merde. Ok, c'est là, là, ici, là, quoique. Bah oui, mais non, je suis bête, oui, je le fais monter, hop. Au crade, oh là là là. Là, on est pas mal. Je peux passer là, non. Hein? Plan. J'ai chopé un plan. Fouille experte. Les ennemis et les butins rapportent plus de munitions. Ça, je like. Bon, du coup, de cette là, je sais quand même pas trop où je dois aller, quoi. Non. Non. C'est chelou, ça. Parce que là, c'est pas ça, c'est sûr. Ok, ici, je vois rien. Ah, et puis, je peux plus revenir, là. Donc, c'est pas là non plus. Ouais, donc, c'est forcément là, quoi.
Pas mince. C'est la meilleure celle-là. Là, y a rien à y faire. Ouais. Pourtant, il est bien marqué que c'est par là. Même la porte, je peux pas la prendre ou quoi que ce soit. On sait jamais quoi, mais non. Pas du tout. Ah mais oui. Attends. Bah non. Si, c'est ça. Ouais. Eh, c'est astucieux quand même. Hein. C'est bien foutu. Oh. Dégage, sale bête. Enregistrement en cours. Bon, on a mis un petit moment hein, pour faire cette énigme. Parce qu'en fait, je pensais pas que le jeu pouvait être aussi vicelard, quoi. Dégage. Arrêtez de vous battre. Il est où? Derrière moi? Non. J'ai entendu un bruit, hein, mais il doit être au-dessus. Il est au-dessus. Fallait s'en douter. Ok. Là, c'est bon. Capitaine, vous allez devoir trouver un ascenseur pour accéder à l'étage supérieur du bâtiment administratif. Les voies sont bloquées. Dégage. Bon. On va essayer de gérer le bazar. Pas mort, toi ? Oh oh. Petit bandage, on récupère la trousse. La musique est presque pas stressante, pas de problème. Coucou. Ah mais si lui il m'en balance aussi. Ok. On court pas longtemps, hein. Purée. Wow, ok. Vous allez me faire chier longtemps, les mecs. Je les aime pas du tout, ceux-là. Il est pas mort. Ça me met un peu la pression là. Ok, là j'ai mal visé. Nickel. Oh, il y en a encore. Tiens. Lui, je sais pas d'où il a sorti son tonneau, hein. C'est-à-dire que le mec, il s'est inventé un tonneau, d'un seul coup, il est sympa, on va faire un petit tonneau. Comprends pas, hein.
On va se calmer, les gars. On va se calmer. Bon, soit. J'ai quand même plus beaucoup de balles. Ce qui est assez fâcheux. La techno, machin, là. Note, hein? Non, c'est pas une note. Ça, c'est une note. Je n'aime pas le nouveau lait qu'ils servent à la cafétéria. Il est orange et brille légèrement. Ouais, ça, c'est un peu bizarre, hein. Je me sens vieux quand je le bois, et mes cookies s'effritent quand je les trempe dedans. C'est peut-être pas du lait. Voilà, voilà, voilà. Le mec, il se pose pas de questions, tu sais. Le truc, il est orange fluo. Oh, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre, mon lait, dis donc. Oh, je te jure. Que des conneries. Hein. Cette note était très intéressante, en tout cas. Hop. Bam. Oh, il a bien volé, dis donc. Ça, c'est bien. J'aime bien quand ça vole comme ça. Vroom, vroom. Vieillissement. Vieillissez vos ennemis avec le MT. Appuyez sur A pour vieillir un Zek et le contraindre à voyager dans le temps. Ainsi, ses déplacements seront ralentis. Ah, c'est rigolo. Ça pompe beaucoup, mais c'est rigolo. Cool. Yeah. Prenez l'ascenseur pour monter à l'étage supérieur. Par contre, les gens qui me parlent sur Steam, calmez-vous. Je commence à oublier, ça fait si longtemps. Ok. Alors... Là-bas, là. Ouvrir. Techno. Accumulateur. Ok. Techno. Je peux récupérer ça? Oui. Parfait, oui. Je like. Donnez-moi des munis. Colé m'a dit, prends l'ascenseur. Je vais prendre l'ascenseur. Mais d'abord, je vais regarder s'il n'y a pas des trucs à récup ici. Si. Une trousse, mais j'ai déjà le full. Ok. Au revoir. Oh oh. Bonjour monsieur. Pas l'air sympa celui-là. Oh non, il a pas l'air cool lui. Ah. Là, je vais pas le kiffer celui-là non plus. Honnêtement, il est pas très sympa. Voilà, je tiens à le dire. Ça se voit tout de suite, c'est pas un mec sympa. Il te veut pas du bien, quoi. Je voulais refermer derrière moi, mais c'est vrai qu'avec ce genre de bestioles, c'est pas très très utile. Ah, par contre, mon truc, non. Ah oui, voilà, ok. Un petit enregistrement écouté, je vous laisse apprécier. Ceci est le journal audio du professeur Vassili Korkin. Il est revenu me voir la nuit dernière. Le sujet alpha de l'expérience de téléportation. C'est la quatrième fois en deux semaines. Il est apparu comme par magie. Son corps est de plus en plus solide à chaque apparition. Je dois admettre qu'il me fait peur. Un peu. Il y a une telle malveillance dans son regard. Fort bien. Pas fort bien, oui, si on veut, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Comment je fais moi? Faut que je prenne un objet que je le balance ou... Bah non, que dalle. Ouch.
Ok. C'est passé. Vous devriez désormais voir la cour que vous allez devoir traverser. Oui, je la vois, mais j'entends un monstre aussi, monsieur. T'as pas trop envie, quoi. Monsieur ? Non ? Oh, le service est à chier. Alors, ah, colonel Ivanov, de professeur Glouchkov. Colonel Ivanov, je vous prie de croire que je tiens le professeur Korkin en très haute estime. Mais dernièrement, son comportement est devenu des plus fantasques. Il parle tout seul, il est très irritable et nerveux, presque paranoïaque. Je pense qu'il fait une dépression nerveuse. Pourriez-vous entretenir avec le professeur Korkin ? Vous pourrez peut-être le convaincre de prendre un congé ou de demander de l'aide à un professionnel, en vous remerciant. Évidemment. Hop là. Alors. Ah ! Le casier. On va aller dans le casier. Vache qui rit, Volks machin. Bon, on va prendre Volks bidule. Ça, ça peut être utile. On va peut-être l'améliorer. Amélioration de chargeur. Bim. Ah, j'ai pas de techno-arme. Ah, c'est con ça. Bon bah, équipé. Et on va dégager le centurion. Parce que le centurion, honnêtement, casse un peu les roubignoles. Et on va prendre ça. Acheter munitions. Ah voilà, ça c'est cool. Voilà, je suis full en vache qui rit. Très bien. On y va en full vache qui rit et ça devrait passer. Hein. Oh oh. Ah ouais, d'accord. Il rigole. Saleté de bestiole. Oh, en plus, ah ouais, l'hélico, j'ai tout sur la tronche. Quoi. Ok. J'avais vu un truc sur un mur. Ah là. Ok. Tout est de sa faute. Ok. Non, on peut pas passer par là. Je me suis dit, peut-être, mais non. Alors, bah, bien sûr. Quand t'as acheté des munitions, qu'est-ce qu'ils te font ? Ils te donnent des munitions. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Hop. Si seulement le professeur Demi-Chèvre me laissait rentrer chez moi. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Où est ma cuvette ? Aux toilettes. Ouais. Ok. Hmm. Ah, comment on fait alors ? Posez. Exit. Ah, c'était ici. Oh non, encore des trucs comme ça. Oh, il y en a partout, ces conneries. Et ça m'a retiré de la vie quand même. Conneries. Bonjour. Merde. Oh, j'ai fait une boulette là. Je me suis trompé de touche. Oh! Ça fait mal? J'espère. Saleté. Akajou! Akajou, on y va! Alors, note. Descends dans le bureau du professeur Barizov et installe ce micro. Assure-toi de le placer à un endroit où il ne trouvera pas. Et hâte-toi avant qu'il ne revienne de son labo. Prochesta. Ah, note. J'ai dessiné les plans d'une chambre forte pour y mettre le MT en sûreté. Sa construction nécessitera beaucoup de travail et sera difficile à dissimuler. À qui pourrais-je faire assez confiance pour un tel secret ?
Oh. C'est un plan, ok. Oh non. J'en ai marre d'esquiver ces machins. Tac. Tac. Ok. Ah. Je viens de découvrir que le professeur Demi-Chèvre avait poursuivi en secret ses expériences sur les humains malgré l'interdiction. Je dois avertir le professeur Barisov, il ne va pas apprécier. Oh oui, c'est sûr. Hop. Sympa. Ah, Energos. Cool, cool. Note. Il manque des anciens numéros de la propagande illustrée. Quand vous empruntez des documents dans la salle des archives, ramenez-les après votre lecture. Ne les laissez pas dans les toilettes. Ok. Des munitions pour Centurion. Ah, le Mir 12 se trompe. J'ai appris que le professeur Barisov peut passer beaucoup de temps en bas. Que cherche-t-il? Surveillez-le et rapportez-moi tout comportement suspect. Là, y a rien. Ok. Ah, munitions, techno. Trousse de soins, je suis au max. Et film d'archives que je vous laisse regarder tout de suite. Au Crâne Cinéma présente un petit film sympa. Progresse comme prévu. La première étape est achevée. J'ai pu découvrir comment altérer un objet pour le déphaser avec notre espace-temps. Malheureusement, localiser l'objet déphasé s'est avéré très problématique. Mais j'ai pu créer la chronolampe pour remédier à cette difficulté. Dans ce test, un objet est déplacé dans une dimension alternative, ce qui le rend invisible. Toutefois, grâce à la chronolampe, l'objet peut être repéré. Et elle peut également ramener à notre époque les objets déphasés. La chronolampe constitue un énorme progrès. Une fois miniaturisée, elle sera très utile dans mes recherches sur la téléportation. Loués soient les grands Lénine et Staline. Et voilà, le petit film est maintenant terminé. Hein. Putain. Ouch! Mais quelle connerie! Bon bah du coup, hop! Non! Non! Non, non, non! Je m'en fous! Non! Ouais, merci. Je voulais juste prendre la trousse, moi, j'ai rien à cirer du film, là. Je viens de le regarder. Ok. Oh non, c'est pas vrai. Ah, un enregistrement, ça m'intéresse beaucoup plus. Chers collègues, je vois que vous êtes tous très pris par vos divers projets. Professeur Korkin, il y a un problème? Non, colonel Ivanov. Je vais bien, je vais bien. Très bien. Je sais que vos emplois du temps sont surchargés, et vos objectifs presque irréalisables. Mais vous accomplissez ce qu'aucun autre scientifique sur Terre n'a réalisé. Exploitez la puissance de l'E-99. Poursuivez vos efforts, et sachez que vous aidez la mère Russie de façon multiple et inimaginable. Très bien, c'est déjà bien. Hop, hop, voilà. Bon. On va passer ici. Hop là. Là c'est cool. Donc on va aller dehors. Ici on a
de la techno. Là, on n'a rien. Non. Ok, 3 headshots, c'est bon. Dégage toi. Ça c'est cool. Ah, dégage. Tais-toi, vilain. Je reprends mon Volk. Je le garde en main parce que je suis sûr que le gros bazar il va venir. Je sais pas pourquoi je le sens arriver ce truc. Mince. What? C'est peut-être pas là que je dois aller, hein. Ok. Oh, une trousse là. Bon allez, hop, feu d'artifice. Bon alors c'est pas tout ça, mais où est-ce que je dois aller du coup? Là? Non. Formule bio, qu'est-ce que c'est que ça? Plan d'attribut du héros, énergie, augmente votre énergie MT maximum. Cool. Ah bah. Bien fait d'ouvrir les yeux. Là ouais, pour le coup, après t'as plus rien quoi. Ça, on peut pas les bouger. Non. Bon, ça m'embête un peu là. Alors, il doit encore avoir une énigme à la con que je comprends pas. C'est ça. Ah oui, c'est les murets. Bon, pas très très intéressant. Bon, il y a un truc que je ne saisis pas ou que je ne capte pas. Quoi? Bonne question. Oh, bonne question, Crad. Mais oui, bien sûr. Alors. Ah! Ah, fallait le trouver, dis donc. Bien caché, ça. Tac. Oh oh. Ah non, c'est bon. Ouch. Ah. Oh, le truc qui te donne des munitions à fond quand t'en as acheté, quoi. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte tellement. Genre, tu galérais depuis tout à l'heure, c'est pas grave, galère.
Et maintenant, votre genre. T'en veux des munitions? Ah ben non, t'en as déjà. Saleté. Des trousses de soins. Des munitions. Tac. Et c'est que ça. Ah, des mumus. Ça c'est bon. Ah, casier. Bon non, pas très intéressant en fait. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Ok. Et donc c'est tout? Mais non. Je peux pas avoir que ça. Je fais comment pour ressortir maintenant? Mais c'est des rigolos, dis donc! Par ici? Non? Que dalle? Ok. Peut-être là-dedans en fait. Je sais pas s'il y a un truc, c'est que ça sert à quelque chose. À quoi, je ne sais pas, mais il y a une utilité dans tout ça. Il y avait peut-être un levier ou un truc, je sais pas. J'ai pas vu. Que je peux remonter s'il vous plaît? Non, merci. Bien aimable. Ouais. Je suis un petit peu keblo, hein, je dois bien l'admettre. En plus, ça n'a pas sauvegardé, donc je peux pas quitter comme ça. L'idéal, ce serait que je... Ouais. Méfiez-vous de Barisov. Bah, je veux bien, mais... Encore faut-il que je puisse faire quoi que ce soit, déjà, ici. Et puis là, ça s'ouvre pas, quoi. Là, y'a rien. Pas de levier. Note. Alors, colonel Ivanov, j'ai le regret de vous informer que le professeur Gorkin, en charge de votre équipe... de recherche sur la téléportation a été retrouvé assassiné dans son appartement la nuit dernière. Le plus inquiétant est de savoir comment l'assassin a pu entrer dans la pièce. En effet, toutes les portes et les fenêtres étaient condamnées de l'intérieur avec des planches clouées. Nous avons pu défoncer la porte pour entrer. Nous avons dû défoncer la porte pour entrer. Je vous tiendrai informé sur les suites de cette affaire. Ok. Ceci dit, voilà quoi. Comment que je fais? Non, merci. Ça tient pas si je le mets là en équilibre. Bah non. Bon. Écoutez, je suis très embêté là. Parce que je suis keblo à fond. Je peux pas les soulever ces machins. Parce qu'à la limite, je pensais que j'aurais pu les soulever et que ça se serait arrangé comme ça, mais pas du tout. Ah, là, il y a des pas. Ok, donc ils me disent que je dois aller là. On va y aller. C'est pas que j'avais oublié ce truc de pas là. Ah, il y a une échelle. Oh, le boulet. Mais non. Enfin, il y a un truc avec l'échelle, sûr. Ah, mais non. Il n'y a rien avec l'échelle. En fait, je prends ça. Et ça. Yop.
Voilà. Et voilà. Oh, le boulet. Hein, mais faut que je m'en serve plus de ce truc-là, hein, parce que... J'oublie, en fait. Pas que je ne veux pas, hein, mais... J'oublie un petit peu. Bon, s'il y a une petite sauvegarde, là, par contre, c'est pas de refus, parce que l'épisode, sinon, va s'éterniser. Bah voilà. Enregistrement en cours. Hop, on va faire ça. Je vais donc vous dire à bientôt pour un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, un max de commentaires. Ça fait toujours plaisir et moi, ça m'encourage à continuer. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, à la prochaine. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. N'oubliez pas, les amis. Ciao, ciao.